la presse qui ont bien voulu répondre à cette invitation du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Comme vous le savez, il y a un nouveau ministre qui sera installé dans les prochaines minutes suite à l'arrêté qui a été publié dans le journal officiel Le Monde. Il s'agit de l'ingénieur Litz Kittel. C'est lui qui succède à Maître Rockefeller Vincent à la tête du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Alors, le chef du gouvernement est empêché. Il se fait représenter par son directeur de cabinet, l'ingénieur Samuel Henri Saturé, et c'est lui dans quelques instants qui procède à l'installation du nouveau ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique. On salue le directeur de cabinet et du chef du gouvernement. On salue le secrétaire général du Conseil des ministres, le docteur José Pierre-Louis, et merci à toutes les personnalités ici présentes, le doyen le tribunal de première instance, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement près, le TPI de Port-au-Prince, le DG AI de l'institution policière, les différents membres de l'état-major de la police. Merci de votre présence à cette cérémonie d'installation du nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique. On salue également tous les cadres du ministère de la Justice qui ont bien voulu prendre part à cette cérémonie. Permettez que j'introduise à l'instant même le directeur général du ministère de la Justice, Maître Jacques Raymond Louis. C'est lui qui... C'est lui qui lance les premiers mots en prélude à l'installation du nouveau ministre. Monsieur le directeur général. Bonjour à tout le monde. Monsieur le directeur de cabinet du PR. Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres. Monsieur Cachemin. Monsieur le nouveau ministre de la Justice, différents cadres de la primature et du MJSP, le haut état-major de la police nationale, secrétaire d'État à la sécurité publique, le nouveau commissaire de Port-au-Prince, le doyen de les TPI de Port-au-Prince, chers amis de la presse, parlez, écrite et télévisée, en ma qualité de DG du MJSP, je suis très heureux d'accueillir cette délégation dans le cadre de l'installation du nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, l'ingénieur Litz Kittel. Je demande donc à tous les employés de collaborer activement avec le nouveau titulaire du MJSP afin qu'il puisse réussir dans le cadre des tâches qui lui sont appliquées. Monsieur le nouveau ministre, au nom du ministère, nous vous promettons une collaboration sincère, parfaite, efficace. Bienvenue, bon travail, merci. On remercie le directeur général du ministère de la Justice et à l'instant, au nom du chef du gouvernement qui est empêché, on invite son directeur de cabinet. Nous voulons parler de l'ingénieur Samuel Henri Saturné. C'est lui à l'instant même qui procède à l'installation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. L'ingénieur Saturné, avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, monsieur le docteur José Pierre-Louis, le secrétaire exécutif du Conseil des ministres, monsieur le doyen, messieurs les directeurs généraux, messieurs les membres du haut état-major. Ce matin, le premier ministre docteur Ariel Henry souhaitait venir en personne installer le ministre de la Justice par intérim. Malheureusement, d'autres affaires urgentes le retiennent ailleurs. Il m'a donc délégué, en tant que directeur de son cabinet,
de le faire à sa place. C'est pour moi un privilège et un honneur de m'acquitter de cette tâche. Je vous présente donc Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur Lisquitaine. Il va avoir la lourde tâche de s'occuper de deux ministères clés du gouvernement. Cela fait de lourdes responsabilités à porter sur vos épaules. Mais depuis 2 mois déjà que j'ai l'occasion de travailler étroitement avec vous, je sais que vous avez l'étoffe nécessaire pour les assumer valablement. Monsieur le ministre, vous le savez mieux que moi, notre système judiciaire est malade et de moins en moins de justiciables lui font confiance. Une saine distribution de la justice est indispensable pour faire fonctionner une action qui veut être démocratique. Nos compatriotes doivent pouvoir sans hésiter qu'ils font confiance à la justice de leur pays. Le Premier ministre sait que nos cours et tribunaux fonctionnent dans des conditions exécrables dans les différentes juridictions du pays. Manque de moyens, manque de personnes qualifiées, bâtiments inappropriés pour rendre sereinement la justice. Mais les reproches récurrents que l'on fait à notre justice sont justifiés. Trop de prisonniers en attente préventive prolongée. Conditions de détention pénibles dans nos centres carcéraux. Et surtout, trop de crimes restés impunis. Mesdames, Messieurs, au nom du Premier ministre, je vous demande d'accueillir le ministre Kittel et de lui apporter votre pleine et entière collaboration dans les nouvelles responsabilités qui s'ajoutent aux siennes. La justice ne peut en aucun cas être instrumentalisée à des fins politiques et personne ne peut ni ne doit s'en servir pour mener ses luttes de pouvoir. Notre pays a perdu un président de la République dans des conditions horribles. Le Premier ministre le dit et le répète à qui veut l'entendre et surtout à ceux qui font semblant de ne l'avoir pas encore compris. Les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, doivent être trouvés, traduits en justice et puis punis pour leur forfait. Monsieur le ministre, dans votre tâche ô combien difficile, le Premier ministre compte sur vous, sur votre courage, votre intégrité et votre sens de l'État pour mener à bien la barre pendant la période que vous passerez à la tête de ce ministère. Je vous dis simplement bonne besogne et je vous réitère les remerciements du Premier ministre pour avoir accepté ses responsabilités dans ce contexte spécial. Merci. On remercie le directeur de cabinet du chef du gouvernement qui, au nom du Premier ministre, a procédé à l'installation de M. Lisquitaine comme nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Nouveau ministre à intérim, très certainement. Et à l'instant, Madame, Monsieur, on invite le nouveau ministre à prononcer ses propos de circonstance. On rappelle que M. Lisquitaine est un vieux routier de la fonction publique, environ un quart de siècle dans la fonction publique. À l'instant même, M. Kittel, le nouveau ministre
de la justice et de la sécurité publique avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le commandant en chef des forces de police, le directeur général de la police, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police, Monsieur le directeur et Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère, Mesdames et Messieurs, la force des choses m'amène aujourd'hui au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour y assurer l'intérim, en ma qualité de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Je prends l'occasion de remercier le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, de la confiance placée en moi. Nous vivons des temps difficiles, avec des besoins pressants de justice et de sécurité. Justice pour tous ceux qui sont assassinés, notamment le président de la République, Monsieur Son Excellence Jovenel Moïse, le bâtonnier d'Orval, des journalistes et bien d'autres citoyennes et citoyens. Justice dans le cadre de la lutte contre la corruption. Justice pour tous ceux qui sont en prison pour toutes sortes de raisons, mais sans possibilité de voir leur juge naturel, encore moins de bénéficier d'un procès équitable dans les délais prévus par la loi. Une justice fonctionnelle qui travaille en permanence, sans interruption, à l'abri de toute politisation et d'arrêt du travail intempestif. La sécurité demeure, dans ce cadre, le dossier prioritaire pour lequel tout doit être mis en œuvre afin de satisfaire le droit fonctionnel, le droit fondamental, le premier des droits, et qui est une demande forte et urgente de la population, afin de faciliter la sûreté des institutions et des personnes. Cette sécurité qui doit permettre à chacun de circuler sans entrave, de vaquer à ses occupations sans crainte pour sa vie et ses biens. Mesdames et messieurs, vous donnez à l'État son sens et son autorité pour des services publics à la population, c'est le pari d'aujourd'hui, celui que de tout dirigeant et des citoyens conscients, militants du développement et intégral de l'État, du développement intégral de l'État et du règne de la loi. Pour cela, il nous faut donc travailler ensemble, sans relâche et avec intelligence, avec le concours de tous, pour atteindre de tels objectifs. Au gouvernement, nous sommes conscients des défis et des enjeux. C'est pourquoi nous inscrivons dans la démarche de créer les conditions d'une gouvernance publique apaisée à l'effet de parvenir à redresser la barre d'une république souveraine. Il n'y a plus de place pour la distraction, pour les diversions, pour la confusion et les luttes mesquines et intestines. La population attend de nous que nous nous mettions au travail, tout de suite. Dans cette quête, la loi doit reprendre ses droits et nous guider dans la recherche de solutions viables et durables. C'est donc dans cette voie que je m'engage durant l'intérim. Je souhaite pouvoir créer la voie au redressement de nos institutions. Nous devons établir cette nécessaire cohérence et d'harmonie entre les pouvoirs judiciaires et le pouvoir exécutif qui sont tous deux impliqués dans la gestion de la justice et concourent à asseoir l'ordre public. Mais aussi, nous devons responsabiliser les autorités locales, les renforcer et les habituer, les habiliter à assumer leur première tâche qui est celle de garantir la sécurité de leur population. Mesdames et messieurs, la tâche est immense. Il faudrait toute la journée pour pouvoir en parler en profondeur. Mais s'il fallait en peu de mots résumer les priorités du mouvement, on dirait combattre la détention préventive prolongée, combattre la criminalité contre les phénomènes et combattre le phénomène des grandes armées,
faciliter un environnement apaisé en vue de la libre circulation des personnes et des biens, renforcer l'image des forces de police. Mesdames et messieurs, il y a une trentaine d'années, le candidat à la présidence de la République, Marc Bazin, disait que notre pays était avec trois priorités. L'agriculture. Pour le paraphraser, je dirais que Haïti aujourd'hui a trois priorités. La sécurité. Deux ministères sont responsables de la sécurité nationale, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et celui de la justice et de la sécurité publique. Et les deux institutions sont désormais placées sous ma responsabilité. Je ne sous-estime point l'étendue des responsabilités placées sous mes épaules. Je demande à Dieu la force et la sagesse de les assumer sans arrogance, mais également sans crainte. Monsieur le représentant du Premier ministre, distingués collègues, je m'efforcerai jusqu'au bout de justifier a posteriori la confiance que vous avez placée en moi a priori. Alors encore une fois, je vous dis merci. Voilà, et pour les propos du nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je précise rapidement qu'à l'instant même se tient un conseil des ministres, donc il y a trois personnalités importantes qui aurait dû être à ce conseil des ministres. Il s'agit du ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, il s'agit du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, vous me direz peut-être que c'est le même personnage, il s'agit aussi du nouveau secrétaire général du conseil des ministres, le docteur Josué Pierre-Louis. Donc, on va devoir mettre fin à cette cérémonie, question de permettre à cette personnalité de regagner le chef du gouvernement et les